Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais voilà, vous le dire, parce que du coup, on avait les retours de la vidéo de l'épisode 1 et l'épisode 2. Vous avez tout simplement tout pété. On a en tendance France deux vidéos en même temps sur la même chaîne YouTube, c'est improbable. Donc merci beaucoup pour tous vos likes. Le premier épisode a fait plus de 10 000 likes pratiquement, donc merci à ceux qui likeront les prochaines vidéos. Donc les amis, c'est parti, épisode numéro 3, pas mal de changements à faire, vous allez voir. On est parti les gars, juste après l'intro. J'espère que vous allez tous super bien, je suis toujours accompagné d'Hugo, salut Hugo. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Ça va carrément bien, toujours parfait, on adore cette petite série. Bon alors Hugo, on a pas mal de travail à faire dans cette vidéo, je t'explique. Déjà, ceux qui ont vu déjà encore une fois, merci pour vos retours, vous avez tout cassé. Ce qu'on a fait en vidéo, c'est qu'on a semé ce champ, donc j'ai pris un peu en compte vos commentaires. Les gens disaient de mettre des off, donc bon, j'ai fait que semer, donc j'ai mis que ça en off. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser des pierres, on va commencer à faucher. Et la première chose à faire, c'est, vous avez vu l'argent, 1 700 €, c'est un peu la galère. Donc on s'est dit qu'on allait vendre ce qui nous servait à rien. Donc Hugo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas accrocher la benne. Oh, déjà, on va changer la benne parce que vous allez voir, on a enfin le premier mode de Farming Simulator que Hugo. C'est Hugo et ton pote qui l'a fait, c'est ça? Ouais, surtout mon pote. Ouais. Moi, donc, donc ce qu'on va faire, déjà, on va vendre le silo en silage parce qu'en fait, il est de base et on s'en sert pas. Genre, vraiment, il sert à rien. Donc, la benne l'air, c'est celle-là. Donc, c'est la première. Le mode sortira en DL. Vous verrez. Si c'est pas lundi, ça sera sûrement mardi, je pense. Un truc comme ça, Hugo. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, vous verrez tout ça. Alors, on va aller en construction. Donc là, on a le silo en silage qui nous sert à rien. Et donc là, on va vider les 4000 litres de blé des premières bennes qui est dans le silo. Comme ça, on vend le silo et ça. Et à la place, on va s'acheter donc faucheuse, machine à pierre, on va la louer. Et normalement, peut-être des serres, parce que les serres, c'est une grosse nouveauté qu'on va essayer de tester. Donc 12 456 €. Voilà, ben on vend. Voilà, ça nous fait un peu d'argent, c'est déjà pas mal. Le Valtra, on peut le récupérer. Alors non, le Valtra n'a pas terminé. Par contre, c'est l'ouvrier qui sème parce qu'il n'y a plus de semences. Donc il achète en continu des semences parce que sinon faut aller chercher des semences au concessionnaire et tout, c'est un peu la galère. Par contre, je vais vous demander quelque chose en commentaire les gars. On s'est dit avec Hugo que ben, en fait la grange on l'a et elle nous sert à rien. Vraiment, c'est inutile, vraiment on stockera pas de graines, enfin de paille à l'intérieur je pense pour l'instant. Enfin en tout cas c'est pas prévu. Donc si vous voulez on vend, ouais dis-moi. Pourquoi pas au pire vendre la grange et garder le silo. Ah tu penses? Attends, c'est quoi le prix? Parce que attends, on va regarder. Si la grange elle a un prix mieux que le silo. Parce que là le silo actuellement si on le vend c'est 50 000 €. Ça fait plaisir hein, quand même. Et la grange c'est 31 000 €. Bah en vrai la grange on pourrait la vendre peut-être. Franchement bah, on vend la grange. On vend la grange et on met les serres là. Bah vas-y. Ok. Bon, bien. Allez ça dégage la grange. Bonne soirée. Ça dégage. Alors ouais, et du coup, alors, les amis, je vous le dis encore une fois, rendez-vous demain soir à partir de 20h pour un gros événement qui va se passer en direct. Et à 21h, je vous annonce un gros projet. Bon, certains, les gars, j'ai fait un live hier, il n'y a pas eu de rediffusion parce que le projet, en fait, je l'ai leak. Certains l'ont vu, donc le live, j'ai dû le supprimer, je suis désolé, mais le projet sortira demain soir. Et voilà, vous verrez ça, c'est un gros projet qui va se passer avec la team. Enfin, du moins, Zero, Germain et moi. Et Hugo participera quand même pas mal au projet vu que sinon voilà, ouais, vous verrez ça. Bah attends, du coup, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va placer nos premières serres. Hugo, on fait ça comme ça on a des serres et on va pouvoir s'en occuper. Okay. Moi j'avais testé les serres, faut qu'on teste tout d'ailleurs en commentaire. Je veux vraiment proposer nous hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on teste parce que là on a des poules, on a quelques abeilles, on va avoir des serres. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait tester après, faire du pain etc. Mais ça c'est peut-être plus vers la fin. Donc ouais, c'est dans animaux, non c'est dans production serres. Alors on a des petites serres à 3 000 €. On a des serres moyennes à 5 000 et on a des grandes serres, ouais, mais peut-être pas prendre des grandes serres. Je pense qu'on va partir sur des serres moyennes, parce que petites, ouais, on pourrait prendre petites, 3 000 €. Moi, je dis, on met peut-être deux serres, mais ça fait 10 000 € quand même. Hein. Mais bon, on va tester. Ok, allez, je mets une petite serre là. 3, 2, 1, c'est ready. Touk. Une serre ici. Et on va tester avec une seule pour l'instant. Alors du coup, il faut quoi? Alors attends, il faut de l'eau, j'imagine. Stockage, aucune production active, construction de stockage. Le stockage est vide, ok. Ça veut dire quoi ça? Et ça c'est quoi? C'est stylé. Gérer le point de production. Bah je pense qu'il faut déjà amener de l'eau. Bah enfin je crois qu'il faut amener que de l'eau non? Ouais je pense c'est ça. Oh là, ouais, la deux chevaux qui est passé à fond. Bah attends, du coup ce qu'on va faire, je vais aller au concessionnaire avec ce tracteur là. On va déjà ramener la faucheuse machine à pierre, comme ça ce sera fait. Et peut-être voir si on n'achète pas une tonne à eau. Hein. S'il faut une tonne à eau, let's go. Bon. Tu viens avec moi Hugo, c'est parti. Il faut qu'on prenne la benne en même temps. La benne, il faudrait qu'on la vende aussi. Mais le problème c'est qu'il faudrait qu'on aille vendre ce qu'il y a d'abord à l'intérieur. Sinon, attends, j'ai une technique mec. Sinon Hugo, ce que tu fais, c'est que tu fais un tas par terre. Ouais. Tu fais un petit coup de contrôle, comme ça c'est bon. Il y aura du miel aussi, il faudra qu'on pense à aller commencer à vendre le miel et tout. Vas-y, attends, ça vide ou pas? Ça se vide.
Ok, bon là tu fais un petit tas comme ça, les poules on prendra au godet. Nos petites poules elles sont juste ici. Ouais, je pense qu'on fera comme ça. Bon alors je vais récupérer mon petit tracteur. Donc la direction, le concessionnaire pour récupérer notre machine à pierre et notre fosseuse qu'on va acheter. Par contre les gars, on a désactivé le mode saison comme on vous l'a dit. Par contre les arbres commencent quand même à devenir... Enfin c'est bizarre, il n'y a pas le mode saison, mais en fait je pense que les saisons vont quand même s'afficher. Genre s'il neige, enfin... C'est bizarre en fait, je sais pas trop comment ça se passe. Parce que les arbres ils sont plus verts. Je pense que le mode saison est désactivé, tout ce qui est type de culture, mais l'environnement de la map. Mais l'environnement, ouais, peut-être reste pareil, ce qui est pas dégueu non plus quoi. Comme ça fait. Tu me suis derrière? Ok, ah, Hugo, ouais. Vas-y, mais vends la veine, on achète la veine l'air. Premier mode, en vrai, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, il sortira très prochainement. Bah, s'il sort pas lundi, il sortira mardi, hein, vous verrez ça. Il y aura le Discord du coup de l'équipe qui fait la veine, c'est ça dans la description, Hugo? Ouais, c'est ça. Ok, et ça marche comme ça pour les soutenir. Vous verrez un petit peu les infos si vous voulez aller rejoindre. Et c'est pas aussi aller rejoindre mon Discord. Alors, on la vend 11 000 euros. Bah, let's go en fait. Hein. C'est où vendre? Allez, dégage. C'est parti. On a 51 000 euros. Bon, alors, j'achète la benne. Hugo, tu peux louer la machine à pierre. Tu prends la plus petite. Hein. Par contre, il faudrait que tu mettes du rente ferme. Ah ouais, faut que je mette ça. Attends, déjà, je prends la petite benne. 25 000 euros quand même la benne. Hein. Configuration des roues. Les pneus, du coup, on a quoi? On a du BKT. Ah, c'est stylé quand même. Ok. Bah je mets quoi comme pneu? Bon on laisse comme ça. Capacité on a... Ouah les ridelles. Les ridelles normes. Bon je laisse les ridelles à grains hein. En vrai ça suffit. Et ça fait 25 000 euros. Aïe aïe aïe. Mais bon c'est le prix. Et attends bah je vais le faire du coup Hugo, vu que t'as pas les droits. Je vais acheter la machine à pierre. Donc bah, ramasseuse à pierre. On avait dit qu'on prenait celle-là hein. Celle-là elle a pas l'air dégueu. 2 mètres 100 chevaux. Voilà. On la loot en tous les cas. C'est de la location hein. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Et après et du coup la faucheuse. Alors la faucheuse, tout le monde a dit prends celle à l'arrière et prends une à l'avant en plus. Sauf que là étant donné l'argent qu'on a, on peut pas. Il y a pas le choix les gars. En plus une faucheuse à l'arrière. Ouais, c'est une fauchette derrière, mais prendre un truc à l'avant en plus, je sais pas si ça aurait fait. Ah, t'es déjà parti, Hugo? Ah, mais Hugo, il chôme pas, dis donc. Ok. Ah non, mec, on a du travail. Et on a du travail. Bon, la benne l'air, je la laisse là, parce que bah, on a pas pour l'instant, il y a rien à. Ah, si, à la rigueur, il y aurait les pierres, mais bon, ouais. J'arrive, je vais commencer à faucher. Bah non, tu peux mettre la faucheuse à l'avant du tracteur et la benne à l'arrière. Ah, mais Hugo n'est pas bête, j'avoue. Ah oui, attends, et si on peut. Elle coûte combien, t'avoue? Attends, parce que les gars, il faut qu'on achète une tonne à eau. Là, il y a beaucoup d'achats à faire, mais. Combien elle coûte? Ah, 9000 euros. C'est mal, c'est dans quoi? C'est dans animaux, j'imagine. Ouais. 9000 euros! On a même pas assez d'argent! Attends, bah on peut vendre le chariot de barre de coupe de la moto. Ah, bah oui! Attends, du coup, on fait ça. Parce que oui, alors le chariot de barre de coupe, on s'est dit, on l'a, mais on s'en servira jamais. Donc autant qu'on vende le chariot de barre de coupe. On le vend pour 800 euros le chariot de barre de coupe, on s'en sert pas du tout. Par contre, ça n'empêche pas qu'on a toujours pas d'argent pour s'acheter. On a toujours pas d'argent? Attends, qu'est-ce qu'on peut vendre? Attends, laisse-moi, c'est bon. Non, presse à balle, non. Non. Bah mec, je sais pas comment faire là. Là, il faut qu'on dorme et c'est la vie. Enfin voilà. Bon, je ramène les deux trucs déjà pour commencer. Ok, alors j'arrive. La faucheuse, bah du coup, je vais la poser là. Parce que, alors l'herbe n'a pas encore poussé, donc il faudra qu'on aille, qu'on dorme un petit peu juste après. Donc l'avant, on va le poser là. Va falloir récupérer une petite tonne à eau. Qu'est-ce que tu veux faire, Hugo là? Enlever la palette d'herbicide. Ah ouais, attends. On peut pas? Attends. Bah non, moi je peux pas. C'est I. Bah c'est bon. C'est bon. Et regardez, attendez, vous voyez pas, mais il y a les coupures de tronçons. Ctrl W. Attendez. Ah ouais, regardez. On peut changer la largeur de travail. Oh, c'est trop bien. Bah faudra qu'on teste ça. Hein. On testera ça quand ça sera good. Hein. Vas-y, je te laisse prendre ça, Hugo. Faudra mettre acheter aussi un petit Karcher. Je vais récupérer le petit tracteur. Alors à ce qui paraît, on peut pas ramasser les pierres sur ce qui a déjà été semé. Alors, on va essayer de récupérer quand même. Mais c'est du coup, ouais, ça marche pas. C'est bizarre, attendez. Parce que en fait, il y a quand même les pierres qui ressortent. Alors je me dis, ça devrait marcher. Peut-être c'est toi, hein, il y a eu un problème. Là, je baisse et j'active. Si ça marche, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Pourquoi ça marche, Apple? Bah, t'as déplié? Ah oui. Bah, c'est bizarre. Par contre, ça va. C'est moi. Bah, attends, ça marche pas en fait. Attends, je vais le faire dans le pré. Parce que dans le pré, je crois qu'il y a des pierres. Ouais, il y a des pierres dans le pré aussi. Bah, mec, ça marche pas. Vu que les pierres, ça fonctionne pas, je vais au moins les récupérer ma petite tonne à eau. Comme ça, ça sera fait. On va se faire juste un mini prêt à la banque, juste de manière à pouvoir investir dans ce qu'il faut. Ouais, ça suffira, je pense, ça. Alors, la petite tonne à eau, on va la récupérer. Elle est donc toujours dans animaux. C'est celle-là, la petite Josquin. Les pneus, c'est pareil. Bon, on laisse les pneus comme c'est. 10 000 euros. Non, attendez, j'ai ajouté. Bah, 9 500 euros. Acheté. Voilà, il nous reste 3 000 euros. Mais bon, si les serres, on s'en occupe, je pense que l'argent devrait remonter, je pense, facilement, à mon avis. Avec les poules et les ouais, alors les poules aussi, c'est pareil. Là, on va donner de l'eau aux cerfs, comme ça on dort. Hugo a le temps de mettre un petit coup de pulvérisation. Alors, me voilà arrivé. Oula, la voiture, calme-toi. J'arrive dans le champ. Ouais, alors, faudrait mettre de l'engrais, mais je pense qu'au début, les champs pourront pas être tous à 100%.
Ok, donc là ça me prend des sous, nickel, comme ça on va bien être. Parce que 3000 euros quand même, ça fait mal. Hein. Mais là, ouais, alors, je voulais vendre ce bâtiment pour acheter un bâtiment beaucoup mieux, mais en fait, bah, c'est celui qui vaut le moins cher. Et je crois qu'on le vend genre à peu près 5000 euros, mais le bâtiment le moins cher, mieux, il coûte au minimum 20 ou 30 000, donc c'est mort, on perdrait de l'argent. Mais plus tard, voilà. Là, si on fait. Donc là, j'ai semé du soja, je vous l'ai pas dit, c'est du soja que j'ai semé. On a du colza et après on a un champ d'herbe. Donc le soja, à mon avis, devrait être pas mal. On devrait gagner pas mal. Soja, colza, en rubanage. Allez, on devrait gagner pas mal de choses. Donc là, ma petite tonneau, elle se remplit. C'est cool qu'on ait ça de base. Bon, elles ont été un peu améliorées, hein, les tonnes. Elles sont pas si dégueu que ça. D'ailleurs, ouais, les gars, je vous le dis. Donc voilà, demain, il y a un gros événement. Il n'y a pas de live ce soir. Par contre, il y aura un live. C'est possible. En fait, je reviens. En gros, l'événement est à Paris. Donc, je reprends mon avion le mardi. Et mardi soir, je sais pas à quelle heure je vais venir. Donc, je pense que j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Mais dans ces cas-là, je vais faire un live sur ma chaîne secondaire. Donc, abonnez-vous à Starview 3.0. C'est le nom de ma chaîne. Je ferai un live. Où est-ce qu'on a, on va pas mal avancer. Si Hugo sera là, bon, voilà, on sera deux sur la partie. Ça devrait être sympa. Ouais. Alors, comment on fait? Ouais, t'inquiète. Bah ça marche. Et du coup, ça pousse direct ou il faut mettre autre chose là? Parce que là, j'ai juste mis. Non, je pense qu'il faut faire gérer la production et que tu peux choisir. Ah, il faut gérer la production. Attends, il faut aller dans les serres en fait, peut-être. Ah là, ah voilà. Ah ok, chaîne de production. Bah non, attends, bah du coup, y'a rien. Cycle par heure. Acheter. Ah, il faut activer. D'accord. Bah du coup, on met quoi? Moi, je pense on met des petites tomates. Ouais, 28, tomates. 14, 56. 56 fraises. Oh, peut-être. Attends, pour 28 d'eau, on a 56 fraises. Bah, je mets ça. Vas-y, j'achète. Enfin, je mets activer. Et on peut activer deux trucs en même temps ou pas? Ça, je sais. Ah, ouais, on peut activer deux en même temps. Ah bon? Bah, vous activez deux en même temps. Attends, mais on peut activer les trois en même temps? Ah, peut-être, hein. Bah, mec, j'ai activé les trois en même temps. Donc, ça veut dire qu'on a. Ah, ouais! On a un peu de tomates, un peu de laitue, un peu de fraises. Ah, oh, c'est trop stylé, du coup on a les trois en même temps. Mais est-ce que c'est optimal? C'est ça la question. Peut-être que c'est pas optimal, on sait pas. Bon bah du coup, let's go, c'est bon. Bah la tonneau, je vais la laisser sur le côté là. Hop hop hop, on fera un peu de décoration. Attends, je vais un peu décorer parce que c'est moche là. Parce que moi je veux quand même que la femme elle soit pas si dégueu. Les 3000 euros qui restent dans le. 3000 euros dans la construction. Donc paysagisme, on va peindre le sol. On va mettre un petit peu d'herbe là. Tac tac tac. Mais ouais, on verra qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on mette comme déco. Parce que là, moi je pense qu'on peut peut-être essayer de voir pour mettre un petit panneau solaire, mais vraiment un tout petit qui peut rapporter des sous tous les jours. Donc peut-être ça peut le faire. Là, on va juste mettre un peu de déco là sur le déco. Merde. Ok. Là, c'est les zones de production où les paillettes apparaissent. Un petit peu ce côté. C'est vrai que la décoration a tellement été améliorée et ça, c'est tellement bien. On va pouvoir vous faire de ces concepts sur YouTube, je pense, vraiment super cool. Plantes, on met quelques petites plantes sur le côté. Ça marche là. Touk, touk, touk. Ah ouais. Ah ouais, gros, j'ai fait un truc sympa là. Enfin, j'espère. Voilà. Bon, ça c'est good. On va laisser la cuve ici. Bah, du coup, dès que t'as fini de passer le coup de pulvée, on dort, hein. Ok, bon bah voilà, du coup mes serres elles produisent, hein, c'est bon. En cours, il reste 7200 d'eau, donc on est parfait. Bon les amis, on vient de dormir, on était passé en octobre, donc en fait ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait une commande qui a remis l'environnement en août, sachant qu'on n'a pas activé le mode saison, c'est pas vraiment grave. Et en fait on voulait passer en octobre, novembre, tout ça, un peu plus tard, c'est pour ça. Donc là on s'est directement mis en août, mais bon on va dormir 2-3 jours et ça nous remettra directement en début septembre, donc c'est parfait. Donc par contre l'herbe, elle a commencé à pousser, Hugo a fini de pulvériser ce champ, il est en train de pulvériser le deuxième. Le soja c'est pareil, il a commencé à pousser. Et ah attends, ah bah t'as fini, bah nickel mec. Bah attends, on va pouvoir re-avancer le temps. Par contre, ouais, on est en négatif d'argent. Par contre, c'est. Attends, ça a commencé. Wow! t'as failli shooter la cuve. Mec, ça a poussé pendant la nuit. On a des fraises, on a des tomates. Oui. Bah mec, c'est carrément bien. Mais mec, attends, mais mec, ça a poussé pendant la nuit. Et un ouvrier qui a tout ramassé. Attends, mais du coup, c'est parfait. Il y a un peu d'engrais en cours. Bah attends, mais on ferait qu'on ait commencé à vendre en fait. Oh attends, ça fait du bruit. Elles font du bruit. Attendez, écoutez les gars. Ça arrose, je crois. Ah bah c'est fini. Je vais commencer à faucher vu que pour tester un petit peu ce que ça va donner. Alors on va commencer ça, on baisse tout ça. Est-ce que le bruit des faucheuses? Par contre, ce qui est amélioré, c'est la bâche. Hein. Regardez, je sais pas si vous voyez la bâche, mais en fait la bâche avec le vent, elle fait pff, sur la route et c'est vraiment trop bien. Alors c'est parti, début de la fauche. Première fois que les gars, c'est la première fois que je fauche sur la phase 22. Hein. Bah, on va voir ce que ça va donner. En vrai, on va voir. Du coup, ce qu'il faudra faire, c'est que l'herbe fera tout en dénée. Par contre, on a encore des pierres. C'est bizarre qu'on n'a pas pu ramasser les pierres. Elles sont encore par terre, les pierres. Je pense, en vrai, ça doit. Tu penses que ça, ça casse les véhicules plus rapidement, le fait d'avoir des pierres? Bah, je pense, ouais. Ah, ouais, mince. J'espère généralement, pas. Généralement, les faucheuses, en vrai, ça aide pas trop les pierres. Ouais, bah, j'imagine bien. J'imagine bien que ça n'a pas trop aimé. Bah, même tous les outils, ils aiment pas les pierres. Attends, je fais juste un aller-retour, comme ça, on va. C'est juste pour tester le ça. Mais du coup, comme j'ai dit. Ah, bah, super, c'est à vous.
Comme j'ai dit, on fera un live logiquement mardi soir sur ma chaîne secondaire, donc on avancera vraiment bien hors vidéo, enfin en live, comme ça la vidéo de mercredi elle sera impeccable, on aura une nouvelle vidéo de mercredi, donc en tout cas rendez-vous lundi, hein. Vraiment ça c'est un peu chiant mais c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur et on a hâte de vous le sortir. Là actuellement au moment où je vous parle, tout n'est pas encore prêt, vraiment, il y a encore beaucoup de problèmes sur le projet mais... ça va le faire, on va y arriver, ça tout va bien se passer. Alors les gars, je crois que je suis en train de faucher, mais l'herbe n'est pas poussée à 100%. Parce que ça dit que c'est prêt pour la récolte, mais l'herbe elle est pas aussi haute qu'à côté en fait. Donc je pense qu'on aurait dû attendre un petit peu. Ouais, je pense qu'on va attendre un petit peu qu'elle continue de pousser parce qu'elle est pas encore à 100%. D'ailleurs, on me disait avec Hugo, on a le pick-up. Parce que du coup, le pick-up, on va s'en servir pour vendre les palettes. Mais en fait, je ne pensais que le pick-up, si on s'en sert pas, les gars, on va le vendre. Hein, parce que ça nous fera, à mon avis, on va se faire de la thune avec ce pick-up. Attendez, je vais regarder combien on peut se faire d'argent avec le pick-up. Moi je pense qu'on peut le vendre peut-être 20 000 euros. Hein. Attendez, tac tac tac. Garage. Voiture. 36 000 euros, on le vendrait le pick-up. Hein. Oh, ouais, avec, vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on le vende, ça peut être bien. Attends, bah du coup je vais récupérer le 4x4 qui est dans le bâtiment. Comme ça on a good. On va essayer de mettre les palettes. Par contre, il faudra on n'a pas de transpalettes pour charger les palettes. Bon, je pense qu'on va le faire avec le massé. Avec le massé. Ah bah vas-y, go prendre le massé, il est en train de faucher. Tu vas le charger, Hugo? Ouais, on va tester ça. On va au moins voir, ça se trouve, ça va rapporter beaucoup. Hein. Hop, on se met ici, on déplie. Attends, je me mets là, comme ça, tu pourras charger ça comme tu veux. Et les poules, elles ont produit ou pas un petit peu? Ça serait bien qu'elles produisent. Pas trop. Hein. Encore un peu, si, il y a 60 kilos, mais. On n'y est pas encore. Bah, qu'il a peut-être acheté plus de poules, mais bon, comme on est en négatif, on va éviter. Ça serait pas mal. Je vais récupérer la benne l'air qu'on va ranger. On va essayer de ranger un peu la ferme quand même, puisque le but, c'est pas que ce soit le dawa. Comme ça, en vrai, on commence franchement au bout du troisième épisode. On a quand même, niveau véhicule, quelques trucs pas dégueu. On a quand même une nouvelle benne, on a tout ce qu'il faut. On a une machine à pierre, même si elle est en location, on a quand même une machine à pierre. Oh, la marche arrière que j'ai fait là, les gars. Ça mérite un pouce bleu, ça. Vas-y, est-ce que tu vas y arriver? Ah merde, attends, mais qui a mis ça? Qui a mis ça là? alors mec, je suis pas sûr que tu vas aller percer les fraises là. En plus, c'est les tomates. Non, ça marchera pas. Ah oui. Oh non, ça marchera pas. Si, essaye. Essaye ta technique. Attends, que je me rapproche. Attends, peut-être que je peux les porter en fait, je viens de penser. Je peux les porter en fait. On est trop cons. Ah là là. Mais je pense que c'est pas. Attends, mais la pâte elle est pas créée à 100%, je pense si. Peut-être. Ah, je sais pas. Bon, ah, c'est vrai qu'on peut les porter par contre. Ah ouais, nice. Bah oui, on est bête. Bah attends, mais mec, go les vendre avant la fin de la vidéo hein, pour voir ce que ça donne comme prix. Bah ça en a recréé une là. Hop là. On va mettre une autre là. Et là. Mec, il y a tellement de trucs. Et si ça rapporte, on va se faire de la thune et ça va. On va pouvoir. Au moins là, si on pouvait remonter en positif, ça serait pas mal. Attends, mais mec, ça fait qu'en créer. Je pense en fait c'était plein, mais il n'y avait pas le message, tu sais, plus de place pour la nuit. Ah oui, mais tu penses qu'ils sont pleines? Bah mec, j'en enlève, ça en respawn. Regarde, je l'enlève. Bon, en fait. Regarde, là, il n'y a plus rien. Hop, tu te retournes, il y en aura déjà 10 trucs de plus. Par contre, là, ça commence à faire pas mal là. Attends, Hugo, fais pas tomber par terre. On va en mettre sur le toit. Hein. Mais non, bah, fais pas sur le toit. Ok, on est pas mal. Bah écoutez, je vais aller vendre ça. Hein. Si je mets les sangles, c'est bon. Bon bah du coup c'est parti, je vais aller vendre. Alors je sais pas si on aura le temps de moissonner, hein, ça serait bien. Mais sinon Hugo, on met le temps en fois 120 là, comme ça on va essayer de voir. Alors par contre la grande question c'est où est-ce qu'on vend tout ça? Ça pourrait être bien hein, de voir où est-ce qu'on vend maïs, canne à sucre, lait, diesel, farine. Magasin d'exploitant. Ouais c'est là-bas, ouais, comme t'as dit. Marqué l'endroit. Et du coup ça c'est avec le mode saison, mais du coup vu qu'on l'a pas. Et c'est où ça le magasin d'exploitant? Oh non, il est tout au bout de la map. Bon bah, let's go. On y va. C'est parti, mec. J'y vais à fond de cale. Bah écoutez, on se retrouve là-bas. Et puis après, j'espère qu'on pourra commencer au moins à moissonner. Ça serait vraiment sympa. Attendez, les gars. Le 4x4, il va à une vitesse. J'ai fait une pointe là. J'ai pas compris comment je fais. Regardez ça. Il va tellement vite. C'est fou. Regardez, on va arriver rapidement. Hop. Est-ce qu'il y a des bons freins? Oui, c'est bon. Mec, il y a un problème. D'accord. C'est bon. Oui, j'ai réussi à me remettre. Oui, c'est bon mec, j'ai réussi. Bon, on arrive les amis, à fond de cale à 113 km/h. Oula, c'est bon, tout va bien. J'ai failli ne pas aller vendre mes tomates. Alors, comment ça se passe là pour rentrer? Oui, l'entrée, elle est là. Première fois qu'on va vendre ça, par contre, on va arrêter le temps parce qu'on est encore en mode. Il y a encore un fois 120. Alors, on va. Ah oui, donc ça, c'est jardin des fermiers. Alors, Hugo, j'espère qu'on va se faire de la thune. Je sais pas combien, si première fois qu'on va voir. Tomate n'est pas accepté ici. Comment ça, Thomas, t'es pas accepté ici? Bah, moi le trigger il me disait que c'était là. Service pneu. Service pneu, tu penses que c'est ici? Yes, c'est là. Oui, c'est ici, mec. Ok. Ouais, ça va, on est remonté. On est remonté. 900 euros.
900 euros. Ouais, 900 euros. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, on a déjà fait ça. Bon, attends, mais la voiture, on va lui demander qu'elle revienne tout seul à la fin, comme ça, ça nous invitera de le faire, comme ça. Autant profiter du mode ouvrier qui nous aide. La voiture, tu vas revenir à la ferme, dans la cour. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'elle y arrive? J'espère. Ouais, elle y va. Ok. Donc là, on a avancé un petit peu le temps. Est-ce que ça a commencé à pousser? On va prendre la batteuse comme ça, ouais. On va se préparer. Bon, on a vu que ouais, du coup, c'était pas le prix. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de sous, 900 euros. En fait, ça fait beaucoup de palettes, mais on n'a pas eu beaucoup d'argent. Donc, est-ce que les palettes n'étaient pas complètes? Je sais pas trop encore. Je sais pas, mais après, on a juste accès à une nuit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a fait qu'une nuit, c'est vrai. Mais c'est bizarre, ça a quand même fait beaucoup de palettes. Hein. Hugo, il fauche, mais à mon avis, il faudra qu'on refauche. Je pense que ça fera deux coupes de fauche. Hein. T'as mieux. Ah oui. Hein. On va se mettre juste là. Encore, malheureusement, on a encore le truc à pierre. Ah, attends, on va tester le truc à pierre. Est-ce que le truc à pierre il fonctionne une fois qu'on a fauché? Aussi, j'ai regardé le prix des surprises et tout ça. C'est pas aux meilleures années qu'on les vend au mois d'août. Plutôt au mois de septembre. Ah, ouais, mais le mode saison a été désactivé, donc c'est peut-être pour ça. En fait, je crois que le mode saison. En fait, ouais, ça. Le mode saison est désactivé, c'est genre le fait de pouvoir semer et récolter à cette période-là. Mais par contre, le prix le prix de ce que tu vends par rapport aux saisons, ouais. Ça marche quand même en fait. Pense, c'est ça, ouais. Ouais, je pense aussi. Donc c'est en fait, ouais. Juste que... tout ce qui est culture, mais je pense que l'environnement de la map et les cultures et tout ça, ça marche ouais, c'est possible. Bon, alors là, du coup, on va tester. J'active, je baisse. On a 4 litres, est-ce que ça marche là? Bon, bah les gars, du coup, j'ai quand même testé de ramasser les pierres, ça marche pas. Donc, bah, on verra si c'est parce qu'il y a encore de l'herbe dessus. Est-ce qu'il faudra enlever l'herbe et que tout soit nu? J'espère, parce que bah, du coup, c'est chiant. Si ça marche pas, on a loué un truc pour rien. Donc, je tends vos trucs en commentaire si vous savez pas. Et nous, ce qu'on se fait, c'est qu'on se retrouve quand bah, le champ est mûr. Bon, les amis, on vient de dormir. On est repassé au mois d'octobre. Donc, ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Par contre, du coup, le champ n'a pas poussé. Alors, je sais pas, il a poussé un petit peu, mais pas encore assez. Donc, je pense qu'il sera mûr que la semaine prochaine, les amis. Donc, rendez-vous, je pense, mardi soir en live. Hein. Hugo, en vrai, c'était quand même sympa. On va s'arrêter là. Bon, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Du coup, bah, merci, Hugo, d'être passé avec moi. C'était quand même pas mal cool de faire ça. On se retrouve, du coup, les amis, demain soir, 21h. Gros projet. Le live commencera à partir de 20h, mais le projet sera dévoilé à 21h. Donc je compte vraiment sur vous pour être présent. Et après rendez-vous mardi pour en live logiquement sur la chaîne secondaire. C'était Starvio et Hugo, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde. Ciao.